one of the country's most prominent pop singers. 여은성월은 김정은의 예전 애인으로도 알려진 인물입니다. 북한 체제 선전의 상징으로 이미 우리에게 낯익은 인물이죠. Le biopic présente Yeon Sung-wol dans La Touche. Leader Kim s'est servi des Jeux Olympiques chez son voisin comme d'une tribune pour son beau pays. Il a envoyé son armée de supportrices flippantes, sa sœur et sa plus grande star de la chanson, Yeon Sung-wol. Ce concert est très symbolique parce que l'on chante dans l'espoir d'une réunification. Sung-wol est un peu la Madonna de Corée du Nord. Bon, sans les tenues sexy ni les textes racoleurs, hein. Ici, on est plutôt dans le classique. Robe traditionnelle et grand sourire pour dire que Kim est le meilleur ou que c'est génial de mourir pour sa patrie. C'est avec sa chanson « La Vierge sur un étalon » que Sung-wol connaît son plus grand succès. Elle chante son amour pour le travail et des ouvrières se mettent en scène sur cette terre dans une usine de papier toilette. Ou de textile, on ne sait pas trop. La chanteuse est aussi la cible des rumeurs les plus folles. Sung-wol aurait eu une liaison avec le suprême leader quand ils étaient adolescents. Mais cette idylle aurait été interdite par Papa Kim. Sung-wol aurait aussi été fusillé en 2013 à cause d'une vidéo pornographique tournée avec son mari. Visiblement, elle se remet très bien de sa mort. Un an après son exécution, la chanteuse, qui est devenue colonel de l'armée, donne un discours à la fameuse convention des artistes nord-coréens. À première vue dans la salle, le premier qui bouge a perdu. Kim Jong-un s'investit énormément pour le développement de l'art. C'est une arme pour l'idéologie nord-coréenne. Pour donner une image plus cool, plus moderne de son pays, Kim met sur pied un girls band. Séoul avait Gangnam Style, Pyongyang aura le Moranbong Band. Le suprême leader choisit personnellement les chanteuses et place aux manettes sa camarade Sung-wol. Au programme, mini-jupe, talons aiguilles, cheveux courts, vidéo de bombes nucléaires qui s'écrasent sur les États-Unis en arrière-plan et des mélodies qui rendent les militaires hystériques. Le succès est énorme. Ça me fait vraiment plaisir d'imaginer qu'on mette une bombe sur la tête des Yankees. Sung-wol gravit les échelons au sein du parti et devient l'une des femmes les plus puissantes du pays. Quelques jours avant l'ouverture des Jeux, elle fait partie d'une délégation envoyée en Corée du Sud. Officiellement là pour visiter des lieux pouvant accueillir des concerts, la délégation est surtout un symbole de la volonté d'apaisement nord-coréenne. Après tant d'années, ce n'est pas très évident de renouer le dialogue. La fin de l'hiver approche, mais le temps est plutôt doux. Oui, mais depuis quelques jours, il fait très froid. Sung-wol et son orchestre auront donné deux concerts en Corée du Sud, une première depuis plus de 15 ans. Touche finale de l'opération séduction de Kim, Sung-wol nous chante un doux rêve encore inaccessible.